Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon vlog consacré cette fois encore à la macrophotographie. Donc aujourd'hui je vous emmène avec moi en plein centre-ville de Lausanne, dans un de ces endroits laissés un petit peu à l'abandon et volontairement par les autorités dans le cadre de leur politique de favorisation de la nature en ville. Donc comme vous le voyez derrière moi, il y a des moutons, il y a également des prairies laissées telles quelles, ce qui devrait, je l'espère, nous permettre de trouver quelques insectes pour parler du sujet du jour, à savoir la macrophotographie à main levée. Voilà, donc c'est typiquement ce genre d'endroit que vous allez vouloir trouver si vous voulez faire de la macro en milieu urbain comme ici. Donc ces zones laissées un petit peu à l'abandon avec des prairies, des fleurs et puis espérons-le, quelques insectes. Je vois déjà quelques guêpes ou frelons, je ne sais pas trop ce que c'est, se réveiller actuellement. Donc avant de chercher quelques sujets, je voulais vous donner quelques explications sur le matériel que j'utilise pour la photographie macro à main levée. Donc j'ai déjà, s'agissant du boîtier, choisi de prendre mon Nikon D7200. C'est pas un full frame, c'est un ASPC, donc un capteur plus petit, un capteur croppé, comme on dit en anglais, en franglais. Et l'idée, c'est effectivement d'obtenir, grâce à ce capteur un petit peu plus petit, une plus grande profondeur de champ. Parce que c'est évidemment ça qui est toujours problématique dans la macro en général, et encore plus à main levée, c'est la profondeur de champ. Donc la partie de votre sujet qui sera plus ou moins nette, ou en tout cas assez nette pour être perçue comme telle. Donc on sait que la profondeur de champ, elle est traditionnellement sujette à variation en fonction de la focale de votre objectif d'une part, de l'ouverture de votre diaphragme que vous choisirez. Plus l'ouverture est petite, donc une valeur haute, plus la profondeur de champ est élevée. Il y a également évidemment la distance au sujet que vous photographiez qui joue un rôle sur la profondeur de champ. Plus vous êtes près, plus la profondeur de champ sera petite. Donc étant donné qu'en macro on est souvent très près des sujets, la profondeur de champ est évidemment très fine, c'est ce qu'on recherche, mais parfois trop fine. Donc pour compenser un petit peu ça, on va évidemment choisir une ouverture très petite, type f11, f16, voire même au-delà. Mais enfin, ça suffit en général pas avoir, en tout cas à main levée, une profondeur de champ acceptable qui vous permettra de rater moins de photos. Donc un autre conseil, et c'est parfois quelque chose qu'on oublie, c'est d'utiliser un capteur plus petit qu'en full frame, donc typiquement un ASPC, voire un 4 tiers type Olympus, si vous avez, c'est souvent des appareils très utilisés dans la macro. L'autre avantage d'avoir un capteur plus petit, c'est son effet sur la focale, effet en tout cas théorique, puisqu'une focale de 100 mm donne l'impression d'utiliser une focale de 150-140 mm si vous êtes sur un capteur ASPC comme ici. Donc on aura en tout cas l'impression que le sujet sera encore plus gros, même si finalement la valeur de grossissement ne change pas. Pour l'objectif, je vous l'ai dit, c'est un Laowa macro, il est complètement manuel, donc il va falloir faire la mise au point manuellement. Je vous en dirai quelques mots tout à l'heure. J'ai monté un flash Cobra, acheté d'occasion, avec ça également un diffuseur qui viendra se mettre sur mon flash ici. Celui-là, je l'avais acheté sur internet, quelqu'un qui l'avait fait main, mais enfin, vous pouvez le bricoler vous-même. Il y en a même qui font ça avec une boîte de Pringles, ces tubes de chips. Ça peut marcher aussi. L'idée étant de diriger la lumière plus proche de l'objectif et puis de la diffuser aussi. Comme il fait beau aujourd'hui, j'ai également pris une casquette. Faut pas oublier, je vous dis pas le nombre d'insolations ou de coups de soleil que je me suis pris à chercher des sujets macro au milieu de prairies comme celle-ci, de l'eau. Puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'utilise pour la macro à main levée.
Voilà, donc quelques mots d'abord sur la recherche des sujets. D'expérience, je peux vous dire que ça sert à rien de leur courir après. Vous voyez un papillon qui passe, une abeille, que sais-je, ça sert à rien de le suivre. Je peux vous garantir que vous allez perdre beaucoup de temps. Et puis au moment où vous l'aurez retrouvé, où vous aurez fait vos réglages d'appareil, il sera déjà reparti. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir un petit coin de terrain, ici c'est quelques mètres carrés de prairie, de vous mettre à niveau, d'entrer dans ce que j'aime appeler un état méditatif, et je pense que ça y ressemble beaucoup, et puis respirer, regarder, observer, et vous ne manquerez pas de trouver nombre d'insectes qui se baladent sur les plantes, sur les arbres. J'ai trouvé tout à l'heure deux, trois sujets qu'on va photographier tout de suite. Et puis, ça fait du bien, surtout de déconnecter un petit peu des soucis quotidiens, des news et autres qui ne sont pas forcément très joyeuses ces derniers temps. Donc, déconnecter, profitez-en, c'est une thérapie pas chère. Alors, le moment propice pour tous les insectes, c'est évidemment tôt le matin, quand ils ne sont encore pas tout à fait réveillés, parce que c'est des animaux qui se nourrissent de la chaleur pour trouver leur énergie. Donc, tôt le matin, ils sont encore un petit peu engourdis, ils bougent moins, c'est évidemment le moment propice. Et puis parfois, avec un peu de chance, vous trouvez même quelques gouttes de rosée sur eux, ça donne des photos super. Donc, tôt le matin, tard le soir, plein midi, ils sont à fond, ils sont bien chargés de soleil, et puis ils bougent beaucoup, ça sera du coup plus difficile. Voilà, donc une fois que vous avez trouvé votre premier sujet, en l'occurrence ici une jolie punaise arlequin, je crois que ça s'appelle rouge et noir, assez photogénique, qui d'ailleurs se trouve souvent sur ces fleurs blanches. Ça, c'est un autre truc qu'on apprend à force d'expérience, c'est de savoir que certains insectes et certaines plantes sont souvent ensemble, et du coup ça vous permettra de focaliser sur un certain type de plante si vous cherchez un insecte en particulier. Donc là, cette jolie punaise arlequin, donc casquette à l'envers, histoire de pas bouger l'appareil avec votre casquette, avec votre visière, et puis pour rajeunir de 10 ans du coup. Du coup, ce que je vous conseille d'abord, c'est de choisir une ouverture évidemment petite pour avoir cette profondeur de champ suffisante. En l'occurrence, je me suis mis sur F16, je ne toucherai plus ça pour l'instant. Ensuite, faites des essais sans trop vous focaliser sur la mise au point, faites des essais d'exposition, donc vitesse d'obturation, ne descendez pas en dessous de 1/8 de seconde, 1/100 de seconde, parce que sinon il y aura du flou de mouvement, même avec le flash. Donc je vous conseille de la bloquer aussi sur 1/100 ou 1/8, en l'occurrence 1/100 de seconde. F16 donc d'ouverture, le flash est à pleine puissance, et je vais faire quelques essais comme ça en premier lieu. N'oubliez pas de bien regarder vos prises de vue une fois qu'elles sont faites pour vous assurer de l'exposition correcte. Puis c'est ensuite que la partie, on va dire, difficile commence, à savoir faire la mise au point sur l'insecte, sur les yeux de l'insecte précisément. Donc là, ce que je vous conseille aussi, c'est de mettre votre objectif en manuel, puisque l'autofocus rame. D'ailleurs, je n'ai pas d'autofocus sur celui-ci, mais si vous en avez un, mettez-le en manuel complètement. Et puis, fixez la mise au point sur le grossissement que vous voulez. Donc là, j'aimerais un grossissement macro standard de 1/1. Je choisis de mettre mon objectif sur 1/1. Et puis, je ne
toucherai plus la bague de mise au point, mais c'est moi-même, avec mon corps, en m'approchant ou en me reculant du sujet, qui tenterai d'avoir la mise au point sur les yeux de l'insecte. Parce que si vous bougez la mise au point manuellement comme ça avec la bague, vous bougez et puis d'expérience c'est beaucoup plus simple de vous approcher ou de vous reculer en gardant l'œil dans le viseur, ça vous permet de bouger beaucoup moins. Donc on va essayer de faire quelques prises de vue de cette punaise. Pensez également à bien laisser le temps à votre flash de recharger entre deux prises de vue. Ça ne sert à rien de mitrailler puisque sinon vous allez avoir des photos beaucoup trop sous-exposées parce que le flash n'aura pas eu le temps de recharger. J'ai également vu qu'il y avait d'autres sujets sympathiques sur ces mêmes plantes. Donc encore une fois, pas besoin d'aller bien loin, pas besoin de trop bouger. C'est des petites fourmis vraiment minuscules qui se nourrissent manifestement de pucerons ou qui boivent des pucerons, ça fait rare. Et puis du coup, elles sont beaucoup plus petites que la punaise arlequin de tout à l'heure. Donc là, je vais mettre mon objectif sur un rapport de grossissement de 2 pour 1. C'est-à-dire qu'un millimètre de sujet égale 2 mm sur votre capteur. Du coup, la profondeur de champ est encore plus faible puisqu'il faudra aller encore plus près du sujet. Donc là, vous pouvez peut-être monter même à F18, F22, à voir. Et puis, de nouveau, la même technique, je ne touche plus ma bague de mise au point, mais j'avance ou je me recule de la fourmi pour tenter de la prendre nette. En tout cas, s'agissant des yeux, mais là, on est vraiment dans des profondeurs de champ millimétriques, voire moins. Et donc, l'exercice n'est évidemment pas évident. Il faut contrôler votre respiration. Il faut vraiment avoir la main ferme. Mais enfin, tout ça, ça s'entraîne aussi. Voilà, si je devais résumer en quelques mots ma technique pour la macro à main levée, je dirais d'abord il faut vraiment s'asseoir, se poser au milieu de l'herbe, observer, regarder, ouvrez tous vos sens, entrer dans cet état de méditation dont je parlais tout à l'heure, ce qui vous permettra à n'en pas douter de trouver foule de sujets qui, sans cela, vous seraient passés sous le nez, si j'ose dire. Puis ensuite, une fois que vous avez trouvé vos sujets seulement, prenez votre appareil, faites les réglages, faites des essais et puis là aussi apprenez à maîtriser votre respiration, apprenez à maîtriser. Oula, je me fais attaquer par une énorme abeille noire, magnifique cela dit. Enfin voilà, apprenez ensuite vraiment à maîtriser vos mouvements, votre respiration. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi en commentaire vos propres techniques, parce qu'évidemment ça c'est la mienne, mais il en existe des millions. Partagez vos techniques, ça fait toujours plaisir de vous lire. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao !